Colas, Eugène, arrive au Gers. Jean-Baptiste, Altès, policier. Encore, on a compté que Colas, Eugène sont policiers. Jean-Baptiste, Altès, policier. Lundi, Jackson, policier. Sylvain Hervé, policier. Pierre Leslie, policier. Léfort Roosevelt, policier. Rodriguez Evaldo, policier. Et Sila Esther, qui c'est une policière. Et parmi 14 ça, il y a tout Prévost Cousard, à l'île de recherche. Un nom que nous connaissons bien. Badio Joseph Félix. Pasteur Gérald Bataille. Également, Innocent Vitelon. Alors, c'est 14 listes pour le moment qui, côté que le CBJ, lancé une recherche et très prochainement, et sur le site PNH, la population a pu être visage de sa grosse que le CBJ a fait chercher la carte. Dossier qui est pour être à assassinat président Jovenel Moïse. Question. Général de la Constitution de Haïti, conférence pour le partiel. Sous ensemble coopération et affaires traitées au niveau de la police nationale du 15 février à date, sous tout département, mais il y a deux considérations. Parallèlement, sous l'opération d'Orléans qui a continué, également au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a en total 11 armes qui saisies, plusieurs munitions, et 10 véhicules qui sont confisqués par la police, 5 kilos. Cocaïne saisie, 12 kg de marijuana saisie, et 4 cas de viol que nous recensons, dont 2 mineurs, gagnés plusieurs bandits qui malheureusement blessés mortellement, et au niveau de la circulation, gagnés 10 blessés, dont 7 dans l'ouest, et 6 morts, dont 3 au niveau centre, gagnés en total 462 arrestations qui faites sur tout le département. Nature, ensemble, et arrestation de Sario, c'est viol, agression sexuelle, homicide, vol de véhicule, enlèvement, détention, illégale d'armes, vol armé armé, recette, disons, et trafic de drogue. DCPJ arrêté Jimmy Féville, Enzo Etienne, Jean-Bruny Laguerre, Félor Belsin et déféré 5 Mounsayo au niveau parquet pour détention illégale d'armes, usurpation de titre, faux et usage de faux en écriture, vol à main armée. Gagné Marc Holder, Milfort qui continue pour les Marco, Christin Sampeur, Foufoun Pierre, Peterson Guillaume qui continue pour les Boss Tonton, Prénor Alexandre, tout Mounsayo, lui arrêté et le déféré. Gagné Marjorie Bous, le DCPJ déféré pour implication présumée dans l'acte banditisme et affiliation que gagne avec dans 5 secondes. Gagne pour Evex Laguerre et qui a arrêté pour tentative de kidnapping et vol de véhicule le 16 février 2023 au niveau Chamas. Pour cas de Fiorio, DCPJ procède à l'arrestation Jean-Philippe et petit frère, 32 ans, pour viol et détournement mineur sous. Yon mineur de 16 ans, ça passe au niveau de Marc 33. Gagné Roman Luc, 47 ans, et arrêté libre pour viol, et au niveau 42, et son mineur de 9 ans. Gagné Difference et Garbi, et qui a arrêté même pour agression sexuelle à Cité Soleil, et sous deux mineurs, yon 15 ans, et l'autre a gagné 16 ans. Gagné tout, toujours dans le cadre de la station de CPJ, Jean-René Métiva, Robinson Télémac. Osner Guerrier, il a arrêté mon salaire pour implication présumée dans l'acte de vol et association d'affecteurs. Gagné Jessly Joseph Tour, et qui lui-même a travaillé dans le palais national, peut-être qu'il a arrêté le 6 mars 2023, et pour acte de faux et usage de faux en écriture. Alors, M. lui-même, lui a fait faux certificat et police judiciaire, à savoir la DCPJ. Au niveau des DLO, il y a 5 qui ont été arrêtés pour drogue,
Romain Philidor, 25 ans, Louis Jo Judel, 30 ans, Louis Manif, 30 ans, Fraki Guerre, 32 ans, Joseph Robinson, 30 ans, Monsieur a été à bord en véhicule et niveau vacancé AA 94 44 44. Au niveau département ouest, alors là, il y a un ensemble travail qui fait dans quatre opérations dans là-dedans et qui est dénoncé il y a de cela quelques mois et qui participe concerné zone métropolitaine et qui dit tout dans des conférences. C'est progressivement l'opération métropolitaine. Il va obliger simplement une zone torselle seulement, bien que c'est une zone bien ciblée, mais lui dans toute zone, donc l'autre département qui est touché même par l'opération tornade qui est lancée par le commandant en chef de la police nationale. Gagné Rémi Amos, 30 ans, malheureusement, et M. Lunel, blessé mortellement, M. fait partie du groupe NEC 400 Marozolo. La police a arrêté tout David et Joseph, qui est aussi petit blanc. Aristide Enor et Jimmy Firmin, gagné tout le Canaran, gagné John Peterson Louise, qui continue de l'économie. John, malheureusement, monsieur est blessé mortellement. Alors, blessé mortellement, ça se suit à échange de tir avec la police lors de l'intervention de la police. Gagné tout Elsius Lédor, 38 ans, membre actif gang Torcel, qui vient en tête de l'homme, qui a arrêté tout. Et au niveau de la direction départementale de l'Ouest, et gagné Augustin Roosevelt, membre 400 Marozo, et qui a été tout. Au niveau du département du centre, côté que nous sommes tout à l'heure, opération en lumière dernier, et gagné Exantus Logan. Monsieur continue de nommer Romal, monsieur est activement recherché, et il fait partie d'un réseau grand qui est en tête de Mario. Continuons tout qui est les tisons ainsi au nom. Monsieur, même, yo, les salons, même évolué dans une zone qui est les 7 Saracens et qui trouvait dans le département et centre. Gagné tout lors d'opérations conjointes avec Parquet, Yobalet et Angelo Marseille qui malheureusement blessé mortellement, les champs de tir avec la police et gagné tout. On fusil du cadre 12 qui est récupéré lors de l'intervention salée du véhicule confisqué. Et d'un côté, l'opération salée même est déroulée dans une zone tout en carré et des 5 autres monde qui a été lors de l'intervention salée. Au niveau qui est déroulé avec l'église épiscopale, DCPJ via BAF, il y a deux mondes qui ont transféré, disons que déféré, le 7 mars 2023, dans quatre dossiers que nous connaissons. Et nous allons déférer au niveau de la discussion. Il y a Denika Gilles, Cléverson Jules. Et dans petit tout, dans quatre dossiers, assassinat président Jovenel Moïse. Le CPJ déjà été fini à rapport. Qui est élaboré au niveau cabinet d'instruction et toujours dans quatre travail ça et qui est pratiquement un volet et mon volet économique et un volet qui est voué à le crime. Gagné 14 actes de recherche pour le moment qui est lancé parmi eux 8 policiers. Polas Eugène, avis de recherche. Jean-Baptiste Altès, policier. Encore, la côté que Paulas Eugène sont policiers. Jean-Baptiste Altès, policier. Lundi Jackson, policier. Sylvain Hervé, policier. Pierre Leslie, policier. Milford Roosevelt, policier. Rodriguez Evaldo, policier, et Sila Esther, qui est une policière. Et parmi 14 Sahara, il y a tout Prévost Moussa, à la recherche, un nom que nous connaissons bien, Badio Joseph Félix,
pasteur Gérald Bataille, également Innocent Vitelon. Alors, c'est 14 missiles pour le moment qui, côté que l'ICMJ, lancé une recherche et très prochainement, et sous site PNH, la population a pu voir visage de sa grosse que l'ICMJ a recherché dans 4 dossiers qui ont pu voir l'assassinat du président Jovenel Moïse. Question. Au niveau du commandant, côté que lors de la dernière rencontre, tu as parlé justement de ça. Et il faut qu'on note tout que question pour ouais à on décide de venir c'est droit pas pour que même qui est capable de gagner un passeport pour faire facilité parce que il y a bien rien pour chaque monde et que ou même ou pas qu'à sont interférés là dedans et mais à savoir et matériel nous et il est agité au niveau rencontre de nouveau commandement. Et il a profité justement, question ça est en tête, la presse, il a un numéro, pour que nous disions, vos commandements ne vont pas empêcher le monde, disons, ouais, des lettres. Mais par contre, si vous décidez, c'est pour tout, pour quitter l'institution, pensez que les recommandés, pour que vous remettez ensemble du matériel que l'État, et la police de Barou, l'aide dans ce type d'information au niveau de l'école nationale de police, à savoir ZAM, uniforme, tout ça qui pourrait à équipement PNH, il est important que vous capable de bailler vous, parce que il y a un bloc ici qui est capable de servir avec vous. Alors, encore une fois, très bonne question, et nous allons essayer à deux mounes, à deux policiers, lui-même qui, eux-mêmes, qui se voient. Ou que nous allons chercher leur façon de vivre. Et à savoir, toute notre première question, hein, et vous connaissez que nous disons que l'UDA n'est pas simplement nous-mêmes, mais au niveau du gouvernement, je crois qu'il y a des agents spécialement qui l'ont ça, mais c'est certain que la police elle-même a toujours des rouleurs et sous ensemble du matériel, surtout les décisions qui font. Les décisions qui font. La question qui est avec la sécurité, et la police lui-même, en même temps, est obligée de faire face à la situation ça, qui est très délicate. Et côté que la société est victime, et nous-mêmes, comme police et tout, il y a des policiers qui sont victimes, qui kidnappent les mêmes gens avec nous, dans la société, nous, dans la famille. Nous, toujours dit que le travail n'a pas été fait. Les policiers seulement, la police seulement n'a pas fait travail là. Et ça fait que nous demandons une participation citoyenne. Parce que nous avons d'abord avec nous, nous ne sommes pas capables de rien mettre les policiers devant chaque impasse, devant chaque corridor. Et ces populations elles-mêmes qui jouent le rôle de police pour nous en termes de nous avons gardé, des erreurs pour nous, pour que nous puissions faire travail. Nous conscients effectivement de la situation qui a développé dans la zone de la cité là, et rien dans la zone de la cité, et au niveau de la direction départementale, qui a renforcé l'équipe là. Mais c'est même l'équipe ça qui a. Qui n'a quatre populations qui sont mobilisées, c'est pas forcément bien en déplacement. Alors, comme on n'a pas de fonds en élaboration pour que techniquement on bâtisse tout le bagaille, mais et nous, quoi encore dans la population. Pas simplement au niveau de zone ça, mais également pour les situations qui ont développé au niveau Bel Air et qui a développé au niveau Solino. Et nous avons la population dans zone ça, surtout Solino, qui dit que nous-mêmes pas qui des bandits dans la zone. Et nous croyons que c'est un très bon signal. Et l'autre quartier, justement, côté que bandits prennent l'otage dans ces populations, doit lever camper ensemble avec la police pour que nous capables d'arriver, déloger nos espaces pour que nous soyons capables de lever maintenant dans les eaux et conduire dans la justice. Alors, l'être déloger et pas déloger côté où il y a pour l'autre côté, mais c'est pratiquement une bataille au niveau de la PNH également, forte bataille ça tout pour les partager au niveau de la population et d'autres secteurs qui concernent la sécurité. Nous étions effectivement à travers les réseaux. Et c'est certain que telle situation est en conflit, malheureusement, mais après, au fur et à mesure, on voit la situation. C'est même genre, au niveau de l'antimonique, des liens, des mystères. Côté que, il y a une présence, il y a une au niveau de son réseau, il y a la police. Ça veut dire
c'est qu'au fur et à mesure d'arriver justement pour que nous capables, encore une fois, présents et à côté de la population. Et dossier Omelson Vincent, votre parole. Bonjour tout le monde. Dossier Omelson Vincent. Comment? Dossier journaliste Omelson Vincent, comment ça arrive? Ça a la police est tuée dans le commissariat. Comment on dit? Non, on était parlé de nous quoi, une dernière conférence que nous avons là, et qui était avancement, qui était fait, et nous avons dit que aussitôt gagné l'autre avancée qu'a fait, nous avons informé surtout l'association de pression, mais j'ai bien fait. Je veux que j'ai arrêté. Et dès que les recommandations sont appliquées, nous avons mis la pression pour moi. Écoute-moi, nous avons transparence, et nous croyons qu'avec la presse et la population, la transparence est importante pour que nous toujours. Informer la population et la population en tout, nous dit activité nous et pour comprendre des plus solidaires et pour supporter tout l'activité. Merci. Pour que nous puissions enquêter sur ça. Alors, ce sont encore bonnes questions, mais la permettre pour que nous apportions au niveau de l'inspection générale pour qu'on ait justement cas à jour qui est le cas pour voter côté de la police. Mais, encore une fois, pour toute institution, à travers le monde, que la police, toujours des policiers pour. Et c'est ça qui fait pour tout policier et notamment la Calamou, qui est sur le terrain comme ça. Ok, moi. Nous, c'est avec des données que nous sommes. Nous parlons de l'arrestation. Et c'est certain ainsi que vous avez même senti pénalisé. Et encore une fois, la police aussi, c'est en particulier, nous avons capable de les mêmes et d'engager, de faire, disons, mais c'est de cas traité et que vous présentez à la presse. Et concernant la première question, hein, et qui encore un peu. Oui, oui, qui ça va pratiquement, je l'ai et je m'en ai population en boule et répondre à la question. Et vous rappelez que c'était le ministère de la Justice. Bon, parce que la rue, c'est votre autorité au ministère là, au niveau même pour la police qui même sont cités publics. Mais pour moi, ça le dit après, la justice, c'est pas mal éclair. Oui, il y a une question, d'accord, on est conseillé de la justice. Or, nous-mêmes, comme technicien de la rentrée, nous-mêmes qui parlons de nous à sa politique. Et bon, tout le monde est bon, le justice. Si que nous avons dit que nous faisons des choses, et que nous avons dit que nous sommes capables de défendre, qui est défendre, là, il n'y a aucun problème. Merci. Ça, au clair à ça.